garde, Herman. Un rocker. Ce n'est pas un rocker, ça, chérie, c'est un punk. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Regarde ses cheveux. Et cette chaîne avec ce boulet, c'est typique. Oh, en plus, il a une traite d'Iroquois. C'est ce que je disais. Mais tout de même, je suis sûr que c'est un punk. Ça ne fait pas l'ombre d'un doute, ma chérie. C'est bel et bien un punk. Ici. C'est interdit d'enlever des choses de la benne. Paragraphe 37 du Code de salubrité publique. Ouais, et il y a aussi l'article 49, paragraphe 64 du manuel du parfait éboueur. Hein? C'est quoi ce délire? Ça veut dire que t'as pas le droit de prendre des trucs dans la benne. C'est contraire à la loi. Hé, le poubelleur, c'est pas des ordures, ça. Ce sont mes affaires. Oui, et qu'est-ce qui nous le prouve? Tu peux me dire, hein? Mais enfin, c'était pas dans votre benne, ça. Tous ces trucs que je récupère, ça fait partie de mon salon. C'est un comique. Tu nous prends pour des imbéciles, hein, c'est ça? Ben regardez, c'est mon cactus, ça fait des années que je l'ai. C'est peut-être le sien après tout. Ouais, viens, on retourne bosser. Hé, les mecs, attendez, vous prenez pas ça? C'est quoi? Des ordures ou une partie de ton mobilier? Non, ça c'est mes meubles, et ça c'est un sac d'ordures qu'il faut emporter. Attends voir, qu'est-ce qui nous dit qu'il n'y a personne là-dedans? Je sais ce qu'il y a là-dedans. Il y a tous les meubles de sa salle à manger. Il n'y a personne là-dedans, il n'y a pas de meubles non plus. Je vous dis que c'est un sac d'ordures. On est trop jeunes pour mourir. Oh, des rats! Les laisse pas me sauter dessus, emmène-moi! N'aie pas peur, Pouboule, on s'en va, on s'en va! Qu'est-ce que vous fichez là-dedans? On grignotait notre petit déjeuner. On est rassasiés. On va s'écouter un peu de musique. Qu'est-ce que c'est que ces gargouillements? Oh, ça vient pas des haut-parleurs? Quelque chose me dit que j'ai la dalle, parfaitement. Et quand j'ai la dalle, eh bien je sors me chercher un truc à manger. Paul, votre billet, s'il vous plaît. Alors, on n'a pas de billet? Votre billet! Ah! Reviens ici, t'entends? Sale petit dégénéré! Passé, ça fait des heures qu'on t'attend. Désolé, j'ai été embarqué par un camion poubelle. Ouais, moi aussi, ça m'est arrivé une fois. Oh là! Hein? Direction le Superman! Si on a de l'argent. Quoi? C'est quoi ce magasin? Il faut de l'argent? On se casse! Le caddie reste ici! Eh, madame, seriez pas un marque, s'il vous plaît? Eh, monsieur, seriez pas une petite pièce? Et puis quoi encore? Regardez le type qui vient, il a l'air bourré de fric! Salut! Hé, attendez une seconde! Eh, monsieur, vous pouvez nous prêter un peu d'argent? Comment ça? Vous nous filez la marque, monsieur? Vous n'avez qu'à travailler comme tout le monde. Non mais, allez Rex, viens, on sort. Vous auriez pas un peu de monnaie? Ah, je vous le rendrai lundi, madame. Attends un peu. Regardez-moi cette gentille petite fille. Elle a bu tout son biberon, c'est bien ça. Saleté de pigeon, je vous déteste. Numéro d'immatriculation. C'est cassé au 170. Nœud des eaux, Carole, Carl, Katerina, 7-0. Oh, c'était une super caisse, mec, c'est pas cool. Bonjour. Bonjour, je récapitule le véhicule immatriculé CK170. Hein? Entrez. Bonjour, chef. Bonjour, Schulze. Voilà plein d'autres contraventions. Schulze, vous êtes de loin le meilleur élément de la police. Oh, merci, chef. Vous avez dressé plus de 10 000 contraventions à ce jour. Si quelqu'un mérite une médaille, c'est bien vous, mon ami. Ne rêvez pas. Il y a un gros problème de punk dans cette ville. Et il y en a plus dans votre secteur que dans tous les autres réunis. Tenez, regardez cette carte, Schulze. La plupart des plaintes que nous recevons proviennent de votre secteur. Qu'est-ce qui fait chaud. Alors, la prochaine fois que je regarderai cette carte, je ne veux plus voir un seul drapeau dessus. seulement des petits trous d'épingle. Rétablissez l'ordre ou vous pourrez dire adieu à votre médaille. À vos ordres, chef. Vous pouvez compter sur moi. Hé, les mecs, j'ai une idée géniale. On n'a qu'à faire comme les commerçants, on fait une offre spéciale avec une réduction, ça marchera, ça. Vous n'auriez pas 99 pfennigs? 99 pfennigs? Ouais, 99 pfennigs. C'est que d'habitude, on me demande un marc. C'est notre offre spéciale cette semaine. Explique-lui, toi. Sur chaque marque, vous économisez un pfennig. C'est une affaire énorme, dame. Babadi boum. 60, 70, 90. Je n'ai pas 99 pfennigs. Pour vous, madame, on peut faire une petite exception. Bon, tant pis, je vous donne un marque, gardez tout. Madame Neumann. Alors, et cette médaille, vous allez bientôt la recevoir? Eh bien, ma médaille... oui, bientôt. Quand est-ce que vous venez me rendre une petite visite? Excusez-moi, vous disiez... Oh, Seigneur, votre bel uniforme. C'est réparé, Schulze. Oh, dites-moi, vous qui savez tellement de choses. Oh non, allons donc. Je cherche une femme de ménage. Vous n'en connaîtriez pas une par hasard? Vous dites que vous cherchez une femme de ménage. Je vais voir ce que je peux faire. Une femme de ménage pour Madame Neumann. Et surtout une personne de confiance, propre, travailleuse et honnête. Oh les mecs, je suis gavé. Je vais exploser. Salut tout le monde et merci d'écouter Délire Radio, la plus délirante des radios. On a plein de tubes garantis 100% pur rock à vous passer. ça va déménager. Mais avant, je vous rappelle que Délire Radio organise un concours de hard rock avec 10 000 marques à la clé. Vous pouvez devenir des stars, être le groupe que tout le monde s'arrache. Ouais! Vous avez entendu ça? La voilà la solution. Quoi? Quelle solution? Un concours de hard rock. Le DJ a dit qu'on pouvait gagner 10 000 marques. Exactement, tu as bien entendu. Le prix est de 10 000 marques. Oh, et bravo, on tombe. Waouh, vous imaginez, on pourrait être au top 50. Bonjour, surtout n'oubliez pas, le concours a lieu dans 2 semaines. C'est une super idée, il y a juste un problème. Il y en a pas un de nous qui sait jouer d'un instrument. C'est pas un problème, ça. Mais ouais, oh, on peut bien apprendre 2 ou 3 accords de base. Le concours, c'est que dans 2 semaines. Ce qui compte, c'est l'énergie. Je dois pouvoir apprendre à jouer du sax en 2 semaines. Babadi 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 boum. 2392 boîtes de soda, 26 kilos de céréales au miel, 12 sachets de potage, un pot de mayonnaise, 18 concombres et 20 belles grosses tomates. 21. Ah bah non, il y en a une qui a échappé au massacre. Vous avez raison, ça fait 21. Excusez-moi, j'ai une question à vous poser. Tous vos caddies étaient dans cet état avant? Ils étaient flambant neufs. Flambant neufs, je vois. Pourriez-vous me faire une description des coupables? Avaient-ils des signes particuliers? Maintenant que vous en parlez, l'un d'eux avait une chaîne autour de la cheville avec un boulet. Ah! Une chaîne avec un boulet. Une seconde, ça lui ressemble. Incroyable, monsieur l'agent, c'est tout à fait lui. Oh là là, génial la guitare. C'est beau. Babadi 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 boum. Elle est destroy la batterie. Allez les mecs, on va rentrer voir ça de plus près. Faut pas rêver, on n'a pas les moyens. Wow, vous avez vu? C'est Hugo, le chanteur de rock. Mais ouais, qu'est-ce qu'il vient faire dans ce magasin à votre avis? Il est venu se payer la guitare rouge, qu'est-ce que tu crois? Et le saxophone aussi. Babadi 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 boum. Et Hugo, attends une seconde. Tu pourrais pas nous prêter une de tes guitares? Non, désolé, je peux pas, mon vieux. Mes guitares, c'est sacré, je les prête jamais. Personne n'a le droit de s'en servir. C'est comme pour mon peigne et ma bagnole. On est musiciens, on n'a pas d'instrument, vous voulez pas nous aider? Pour voir, ça vous brancherait un job à mi-temps, vous pourriez vous payer des instruments. Ah, ça serait super. Une certaine Madame Neumann cherche quelqu'un pour faire son ménage. Tenez, voilà son adresse. Maintenant, à vous de jouer, les mecs. Merci, ciao. Nettoyez ce vase, maintenant. Et maintenant, le buffet, là-bas. Allez. Le bahut. Nettoyez sous la commode qui est là-bas. Oh, ne soyez pas si brutal. Bon, cette tâche à présent. Maintenant, les fenêtres. Ça alors? Qui ça peut bien être? Je n'attends personne. J'arrive. Mon Dieu, mais qui êtes-vous? Oh, ça alors? tiens pour la mort. Elle va tous nous dévorer. On avant tout. Accélérez la merde. Cette porte immédiatement, bande de voyous! On a sonné à la porte, il faudrait peut-être aller l'ouvrir. Attends, il vaut mieux que j'ouvre la fenêtre avant. Et voilà, ni vu ni connu. Madame Neumann, ça va comme vous voulez? Ah oui! Ah, je vous ai trouvé une femme de ménage. J'ai déniché la perle rare, merci beaucoup. Ouvrez cette porte tout de suite! Ouvrez et fichez-moi le camp! Ça y est, on a fini! C'est nickel! On a zigouillé tous les microbes, il n'y en a plus un seul! Ça vous fait ça, Marc? Oh, tu divine! Qu'est-ce que vous avez fait, bande de sauvages? Mon appartement est saccagé! Alors, combien elle t'a donné? 5 marques. Quoi? 5 marques pour avoir briqué tout son appartement? Il te faudrait un emploi stable. Quelque chose de sérieux. Tiens, il y a un poste d'agent de change à la bourse. C'est bien ça. Qui sait, tu pourrais devenir un golden boy. Ça prend trop de temps. À ta place, j'attaquerai une banque. Tu enfonces ton chapeau jusqu'aux yeux, tu remontes le col de ton impair et tu réclames le maïs qui est dans le coffre. Non, il veut dire le blé qui est dans le coffre. Non mais vous êtes cinglés? Vous regardez trop la télévision, vous? Oh. Justement, qu'est-ce qu'il y a à la télé? Vous êtes fatigué après une dure journée de labeur. Essayez la toute nouvelle préparation instantanée Promptogomme de Mamie Laura. Vos petits rats gloutons ne pourront plus s'en passer. Mesdames et messieurs, bonsoir, merci de suivre notre journal. Plus de 20 000 rats ont manifesté aujourd'hui devant les laboratoires ratiboises. La police a dû intervenir pour disperser les manifestants. Ces derniers entendaient protester contre l'utilisation des rats à des fins expérimentales. Le porte-parole des laboratoires a rejeté ces accusations. Dans le golfe Persique, un super pétrolier a fait naufrage. 15 rats sont portés disparus. 300 ont réussi à quitter le navire et ont trouvé refuge dans un remorqueur envoyé sur les lieux du drame. J'ai bien pu le mettre. Il n'est pas dans la poche droite, il n'est pas dans la gauche non plus. J'ai pris mes précautions cette fois. Ça coûte un maximum de frauder. Alors, dépêchons! c'est pour aujourd'hui ou pour demain? Ça alors? Mais c'est un titre de transport, et pour un mois en plus. Et il est valide. Fais voir. Oh, je suis dégoûtée. Non, mais ça va pas, t'es complètement disjoncté, mon vieux. Qu'est-ce qui se passe? De quoi vous parlez? Il est cinglé. Un ticket comme ça vaut une fortune. Ce ticket permet à son possesseur de voyager pendant un mois sur toutes les lignes de transport de la ville. Et pourquoi il est cinglé, s'il te plaît? Parce qu'il gaspille l'argent alors qu'on a besoin d'instruments de musique. Tu rigoles? Je l'ai pas acheté, on m'en a fait cadeau. Qui ça? Oh, une femme dans le métro. Les contrôleurs m'ont demandé mon billet, et comme j'en avais pas, bah, elle m'a donné le sien. Bah voyons, il n'avait pas de billet, il y a une poire qui lui en a donné un. J'ai pas dépensé nos 5 marques. Regardez, les voilà. Tu vois qu'il racontait pas d'histoire, mauvaise langue. Bon, d'accord, j'ai eu tort, excusez-moi. On a travaillé comme des bêtes et on peut même pas s'offrir un coke à chacun. On est revenu à la case départ. Il faut trouver un autre moyen de gagner de l'argent. Elle a raison. Courage les punks. Voyez-vous, les enfants, rien n'est plus beau que l'amitié qui unit un cow-boy à son cheval. Tout comme le chien, le cheval est fidèle et obéissant. Imbécile, reviens! Andouille! Papa, tu nous as apporté des sucreries? Quelles sucreries? Des gâteaux, des bonbons, du chocolat, tout ce qu'on aime, quoi. Ah, je vous ai apporté beaucoup mieux que ça, les enfants. Les productions Punk sont fiers de vous présenter... Bonjour les enfants, je suis Croco le crocodile Calécro. Ce matin j'avais une de ces faims, alors j'ai mangé une grand-mère sans défense. Mais ça me réussit pas du tout. J'ai l'impression qu'elle m'a donné des gosses. Cela dit, ça m'empêche pas d'avoir envie d'avaler tout cru une douzaine d'entre vous. Et peut-être même 2 douzaines. De l'air, j'étouffe. Aidez-moi, s'il vous plaît, c'est insupportable. Ça sent mauvais! Je vous en prie, aidez-moi, aidez-moi! Alex, laisse-la sortir, sac à main ambulant! Libère la grand-mère! Je vous en prie, arrêtez! Ça me donne mal à la tête, arrêtez! Oh, sale brute! Ali Baba! Viens m'aider! Ali Baba! Avec mon cimetière, je vais vous envoyer au cimetière! Crétel, viens à Moscou! Crétel? Il faut vite appeler un policier. Ah, à nous deux, toi, mon petit bonhomme, tu vas aller faire un tour en prison. Ah bon? Et pourquoi? Parce que la loi interdit de manger des pauvres grand-mères sans défense. Aïe, aïe, aïe. Mais dis-moi, ces lunettes ne sont pas à toi? Elles sont à moi. En tout cas, moi, tu ne mourras pas. Prends ça, canaille. Excuse-moi, Gata, il te reste encore des grenades? Oui. Ce type est trop fort pour nous, il faut employer les grands moyens, on n'a pas le choix. Ça marche. Tu crois que ça va suffire? Sortez-moi de là, les enfants, je suis vieille et fatiguée. 1, 2... Ah, tout pour le cas, je préfère rester à l'intérieur. Génial, t'as tout fait sauter. Sauvons-nous en tous. Combien il nous reste d'argent? 3 fois rien. La fin du spectacle manquait pas de panache, ça va rester dans les mémoires. C'est complètement destroy ce concept de spectacle. On devrait peut-être déposer l'idée avant qu'Hollywood nous la pique et fasse plein d'argent avec. Je rêvais que j'habitais dans une meule de bruyère. Ça y est, j'ai terminé. Mais c'est qu'il est magnifique ce cadre, tu as vu ça? Oh, mais c'est le ticket de métro que lui a donné sa belle inconnue. Est-ce qu'il y aura une histoire d'amour là-dessous? Je trouve ça bouleversant, mon cher, bouleversant. Et moi donc. J'ai écrit une chanson pour elle. Je t'ai vu dans le métro, j'avais pas de billets. Ouais, bon d'accord, je regarde la télé. La musique est géniale, ça déménage et les paroles sont très poétiques. Oh, t'as pas de cœur. Comment ça, j'ai pas de cœur, alors que ce que je t'ai dit vient du fond du cœur. Sois lucide, Amadeus, depuis que tu es amoureux, tu tournes plus rond. Changeons de sujet. Ce type est incroyable. Vous l'avez déjà vu? Il est carrément sublime. Bonsoir. Si je m'adresse à vous ce soir, mes très chers concitoyens, c'est pour vous demander votre aide. Oui, d'accord, on a compris. Tu peux toujours courir pour avoir mes 5 marques. Un moment, non. C'est dingue. Tout le monde vient vous taper de nos jours. Mais pourquoi il veut 5 marques? Il veut pas seulement 5 marques. Il demande 5 marques à tout le monde pour remplir les caisses de son parti politique. Hein? Et ça marche? Si ça marche! Hey, salut mec! Salut, Ubi! Amadeus! Bonjour, Punky! Et si on faisait notre partie? Génial, mais attends, tu veux faire une partie de quoi? Mais non, il veut fonder son propre parti! Exactement, ça coûterait 5 marques pour être membre! Tu te rends compte? Si chacun de nous donne 5 marques, ça nous fera déjà 20 marques! Ah, fermeture des portes! Combien pour la batterie? Babadi babadi boom. Ça fait 200 personnes. Hey, cette guitare-là. Babadi 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 boom. Exactement, 123 personnes et demie. Je disais donc Marlène, Dora, Otto. Schulze, venez ici. Schulze. Chef, vous avez remarqué que votre... La situation ne fait qu'empirer dans votre secteur. C'est une catastrophe, il faut que ça change. Chef, où tous vos espoirs pourraient partir en fumée. Compris, chef. Chef, regardez, j'ai réussi à dresser le portrait d'un des coupables. C'est bien, non? Je l'ai dessiné tout seul. Qu'est-ce que c'est que ça? Une bombe, je crois, chef. Qu'est-ce que ça pourrait être d'autre? Bravo, Schulze! Ce type pourrait être un dangereux terroriste! Trouvez-le! Hé, monsieur! On vient faire enregistrer notre parti! Quoi? On est le parti des petits punks! On est les dirigeants! Le parti des petits punks? Connais pas! Vous connaissez pas? C'est pas possible! C'est le parti du peuple, voyons! Mais non, ça c'est le parti communiste, et banane! Ce n'est pas aussi simple que ça de fonder un parti! Ça vous pouvez le dire? Premièrement, il faut avoir une raison valable pour fonder un parti politique! On en veut un à nous! Deuxièmement, avant de fonder un parti, il faut avoir un programme! Un programme télé? Un programme politique! Il plaisantait, monsieur! Troisièmement, c'est l'heure, je ferme et je m'en vais! Attendez une minute, je crois que j'ai trouvé une idée. Une idée de programme pour notre parti? Le peuple doit diriger la musique. Oh, super. Ouais, génial. Alors, puisque vous êtes tous d'accord et même enthousiastes, ce sera le programme officiel du Parti des Petits Punks. Oula, notre parti! On veut le faire enregistrer! Trop tard, je suis fermé! Si vous voulez vous faire enregistrer, revenez demain! Lequel est le chef? C'est moi! Ouais! Pour la dernière fois, j'exige le silence. D'accord. Bien, présentez-vous. On vient des quartiers déshérités de la ville, on se présente devant vous. Oui, la secrétaire, il faut prendre des notes. Qu'est-ce que vous leur reprochez à ces quartiers? Ils sont salés! Ils sont abandonnés! C'est la zone pour y vivre! C'est toute la lande! Comment s'appelle notre chancelier? Helmut Kohl! Connaissez-vous au moins le nom du maire de notre bonne ville? Attendez, me soufflez pas, ne dites rien. Kennedy! Ich bin ein Berliner! Et combien êtes-vous dans votre parti? On est 4. Mais on en vaut 1000! Il faut absolument s'en débarrasser. Bon alors qu'est-ce qu'on attend? Vous nous enregistrez, oui, qu'on commence notre collecte? Après vous avoir écouté, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je rejette votre demande d'enregistrement du Parti des Petits Punks. Cette décision est sans appel. Ah, ce boulet, c'est pas vrai. Ah, waouh. Ouais. Ah. Je peux peut-être vous aider? Oui, voilà, je cherche une guitare. Une guitare? Quel genre de guitare? Ce genre-là. Oui, celle-là. Mais non, celle-là, la grande, là, à côté. Oui, c'est ça. Non, non, pas celle-là. La rouge à votre gauche. Ah, elle en jette un max. Maintenant, on va voir ce qu'elle a dans le ventre, hein? Ah, si je devais m'acheter une guitare, c'est celle-là que je prendrais. Mais en fait, c'est un saxo que je cherche. Un saxo? Ouais, comme le grand là-haut, là. Vous voulez pas me le montrer, celui-là, là? Attention, le fil! Mais qu'est-ce que... Le son est pas terrible, hein? Vous n'auriez rien de mieux à me montrer? Je sais pas, vous n'avez pas une autre couleur? Argentée, par exemple? Non, je n'ai pas d'autres instruments à vous montrer. Et si j'en avais d'autres, je ne vous les montrerai pas. Maintenant, fichez le camp de mon magasin. Je vais avoir un bébé. Un grand bébé. Toutes mes excuses, petite madame, je ne vous avais pas vu. Je vais bientôt accoucher, aidez-moi. Il vaudrait mieux voir une sage-femme parce que moi... Faites quelque chose, voyons. Conduisez-la à l'hôpital. Merci, madame. C'est un imbécile. Quoi? Un incapable. Elle m'a traité d'imbécile. Schulze, répondez. Ici, Schulze. Schulze, le Punk a pillé un magasin d'instruments de musique dans votre secteur. L'individu qui vous a volé. C'était un petit punk avec une chaîne à la cheville et un boulet. Ah, une bombe plutôt. Oui, c'est lui. Qu'est-ce que c'est que ça? Est-ce qu'ils auraient signé leur forfait? On n'a fait que les emprunter. Schulze. Oui, chef. Les punks sont devant la grande poste. Ils appellent tout le quartier. Allez-y tout de suite. Quoi? Les travaux forcés. Ouais, et y a pas que... Où est-ce qu'on va répéter maintenant, hein? On connaît l'endroit super. Si ça vous intéresse, on peut vous y emmener. Sors les mains en l'air. Chef, j'ai trouvé sa poubelle. L'oiseau s'est envolé. Très bien, Schulze. Vous vous cachez dedans et vous attendez son retour. À vos ordres, chef. Vas-y, vas-y, doucement. C'est bon. espèce d'abruti! Tu jettes un officier de police aux ordures! Arrête le moteur! Oh oh, un policier! Oh, t'as vu, t'as une tâche ici! Oh. Question acoustique, c'est génial. Ouais, mais question d'air, c'est moins génial. T'as remarqué, c'est un peu humide aussi. C'est curieux. Il y a du punk là-dessous. Vous n'avez pas à taper sur ce jeune homme. Hein? Seigneur, mon petit Schulze, mais qu'est-ce que vous faisiez là-dessous? Chef, j'ai encerclé les punks, mais j'aurais besoin d'un peu de renfort. Entendu, Schulze, je vous envoie des hommes. Un paquet pour Amadeus. C'est pour toi, c'est le facteur. Oh, il n'y a personne? J'ai un paquet pour toi. Amadeus, où tu es? Il n'est pas chez lui, il répète. Il fait de la musique dans les égouts. Vous me rendriez service en lui remettant cet avis de passage. Il peut venir prendre son paquet à la poste à partir de 4 heures. Vous avez entendu? À partir de 4 heures... Ne me dites pas que vous allez devoir ramener ce paquet à la poste. Bah évidemment, qu'est-ce que tu veux qu'il en fasse? Je trouve ça dommage que vous refassiez tout ce chemin, alors que nous pouvons le lui remettre à votre place. On en prendra bien soin. Vous avez notre parole de rat. Oui. Ce paquet doit être remis en main propre à son destinataire. Et d'abord, monsieur le facteur, est-ce qu'il contient des objets précieux? Non. Est-ce qu'il contient des médicaments? Oh non. C'est sans doute un cadeau envoyé par un ami. Ah. C'est peut-être périssable et avec la chaleur qu'il fait à la poste, à tous les coups ça va s'abîmer. Qu'est-ce que vous en dites? Si je laisse ce paquet ici, que les choses soient claires. Et vous ne l'ouvrirez sous aucun prétexte. Le seul qui ait le droit de l'ouvrir, c'est Amadeus. Qu'est-ce que vous nous faites, sinon? Il nous coupe les oreilles et la queue. Il faudrait trouver un nom pour notre groupe qui fasse vraiment hard rock. Pour un nom qui fasse vraiment punk, genre Rolling Punk. Il faudrait que ça fasse penser à des créatures de la nuit. Les morts vivants, ou alors les vampires. Ça pourrait être aussi un nom marrant, je sais pas, Punk et Punk et Collégramme. Oh non, oh, c'est complètement nul beurre. Punk et Collégramme, c'est ringard et débile. Il faut un nom qui fiche la trouille, je sais pas moi. Les démons de l'enfer ou diabolique musique. Un truc méchant, quoi. Ah, j'ai trouvé. Les démons de l'enfer et leur diabolique musique. Ouais, ouais. Le reproduire prendre du gosse. Un peu de silence, s'il vous plaît. Silence. Chers amirats et amirates, comme moi, je suis sûr que vous êtes reconnaissants à Rolf et à son ami Bogie de leur si généreuse invitation. Et pour les remercier de nous avoir offert ce merveilleux festin qui restera dans nos mémoires, je vous demande de crier en chœur avec moi, un retentissant hip hip hip, hip hip hip, hip hip. Espèce de cannibale! Sauvez-vous, sauvez-vous et ça va bien finir, ça va mal finir. Je sais que ma grand-mère m'a envoyé un colis. Ne mets pas dans cet état, tu vas nous faire une attaque. C'est toi qui vas avoir une attaque. T'as rien perdu, c'était pas terrible. C'est vrai, faut pas avoir de regrets. Le saucisson était trop sec. Ouais, c'est ça. Alors pourquoi vous avez tout mangé, bande de hyènes? Vous allez me le payer, ça. Non, sans blague, on s'est forcé. On n'avait pas envie que tu t'empoisonnes. Et c'était quoi, ça? Des chocolats. Mais ils étaient tous fondus. Ils étaient couverts de moisissures. Et les gâteaux qui sont là-bas? J'étais fourré à quoi, eux? À la moisissure aussi. Non, je te jure, t'as rien perdu. Franchement. Reste tout tué. Main en l'air. Schulze, vous allez désamorcer la bombe. Et quoi, il y a une bombe? Blindé, en avant. C'est juste un boulet. Mettez-vous à l'abri. Cher Ruby, tu devineras jamais où ils m'ont envoyé. À la campagne, chez ma grand-mère. J'en avais une et je le savais pas. Ils ont dit que ça me ferait le plus grand bien de vivre loin de la ville. De respirer l'air pur, de voir des arbres. Il n'y a rien de plus beau au monde que cette forêt. Au monde, t'es sûr? En Europe, en tout cas, il n'y a rien de plus beau. Et puis, il y a toujours du soleil. Hein? Il y a toujours du soleil? Alors pourquoi c'est aussi vert en plein été? Où qu'on regarde, on ne voit que des belles choses. Les rivières, les arbres, la nature. Tu n'as pas ça à Berlin. Oh là là, oh mais qu'est-ce que c'est vert? Pas aussi vert que ta crête de coq. Ma quoi? Tes cheveux. Tu vas faire tourner le lait de ma vache. Ah, c'est pas la joie là-dessus. J'ai l'impression d'être un lait fraise dans un shaker. Un shaker quoi? On est arrivé. C'est ta nouvelle maison, mon petit. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a comme bestiole ici? J'ai jamais vu ça. Ah, c'était quoi ce bruit? Mais c'est la vache dans les tables. Tu n'en as jamais vu? Non. Ah, tu parles de ce truc qui est là-bas? Et sa grand-mère, c'est quoi? Ça, c'est Gertrude et Adolphe, mes cochons. Ils sont très gentils. Ah, oh, l'autre, il est coiffé comme moi. Ça, c'est rigolo. Félicitations pour cette arrestation, Schulze. Oh, c'était un jeu d'enfant. La bombe n'était qu'un vulgaire boulet, en fin de compte. En effet, chef, un vulgaire boulet. Oh, cette médaille ferait très bien sur votre uniforme. Mais avant, Schulze, il faut que vous nous débarrassiez de tous les autres pactes. Salut, Bill, toute la bande. Alors, les gars, ça va-tu comme vous voulez, hein, ville, comme ils disent dans le coin? Oh, qu'est-ce que je m'ennuie des démons de l'enfer et de leur diabolique musique. C'est vrai, on commençait à être au point. Ça s'annonçait bien. Ça me manque de plus faire de musique, vous pouvez pas savoir. La seule musique que j'entends ici, moi, c'est les ressorts de mon lit, écoutez. C'est du folklore paysan. Ouah, ah, faites bien attention à vous, délirez pas trop et pensez à votre copain de temps en temps. Salut, les mecs. À bientôt. Ah, au fait, soyez sympas. Occupez-vous de mon cactus, d'accord? Bonjour, Amadeus. Bonjour. Voici ton petit déjeuner. Tu as bien dormi? Ouais, sauf que les nuits sont courtes dans le coin. Alors, tu t'assois sur le tabouret, ensuite tu prends le seau, puis tu empoignes les plis fermement et tu tires comme ça. Alors, ces trucs qui ressemblent à des saucisses, faut les prendre dans la main? Oui, et tu tiens dessus l'un après l'autre, tic-cloc, tic-cloc, jusqu'à ce qu'ils soient vides. C'est pas un peu gênant de lui faire ça à la vache? Non, elle aime. Salut les mecs. Ce matin, j'ai traité ma première vache. Oh, c'est un peu galère, sans compter que le lait, il a un drôle de goût. Vaut mieux l'acheter en pack au supermarché, croyez-moi. Amadeus, viens vite, le déjeuner est prêt. J'arrive. Assieds-toi, mon petit. Mais qu'est-ce que tu as, là? Ça, c'est un Walkman. Un Walkman? Tiens, dis bonjour à mes copains, je vais t'enregistrer et leur envoyer. Qu'est-ce qu'il faut que je leur dise? Moi, ce que tu veux. Voyons, bonjour à vous tous, gentil petit Punk. Dieu vous bénisse, je vous souhaite une bonne santé et beaucoup de bonheur. Au revoir. Voyons, bonjour à vous tous, gentil petit Punk. Dieu vous bénisse, je vous souhaite une bonne santé et beaucoup de bonheur. Au revoir. Babadiba. On a enfin la réponse au sujet du concours de hard rock. Où? Quand? Ça marche! Écoutez ça! Chers musiciens, nous avons retenu votre candidature. Vous participerez donc à notre grand concours de hard rock. Ouais, c'est génial! Ce truc a lieu demain! Je voudrais ouvrir un compte épargne, jeune homme. Mais vous en avez déjà un! Oh, ce n'est pas pour moi. C'est pour ce petit ange qui vient de la ville. Alors tu me l'ouvres, ça compte que je puisse enfin tirer du fric? Il ne sait pas ce que c'est. Tu déposes à la banque l'argent que tu économises et il fait des petits. Il fait des petits, mais des petits quoi? Oh, cette jeunesse, je ne voulais pas lui expliquer. Regarde, tu vois, quand tu places de l'argent à la banque, ton capital augmente jour après jour, en te rapportant 4,5% par an. C'est comme empiler des briques les unes après les autres. Après des années et des années, tu as ta maison. Quand tu seras vieux, tu seras bien content d'avoir à toi au-dessus de ta tête. Ouais, et là je mourrai sans avoir profité de mon fric. Oh, il ne faut pas lui en vouloir, il est un peu déboussolé. Ce pauvre petit vivait tout seul à la ville. Salut mon vieux. Hey Ubi. Youhou. Salut toi. Pourquoi t'es fringué comme ça? Comment tu crois que je suis venu de Berlin pour faire du stop? On n'a rien inventé mieux. Tu vas voir, ça marche au quart de tour. Amadeus, où vas-tu? T'inquiète, grand-mère, je reviens bientôt. Oh là là, qu'est-ce que ça schlingue? Tu t'es roulé dans la bouse de vache. Oh, c'est vrai que je schlingue. On a intérêt à trouver une laverie automatique. Je le sais. Oui, chef. J'ai une importante mission pour vous. Vous avez été choisi parmi tous vos collègues pour ce travail. Vous allez être une sorte d'agent secret. Moi, chef? Vous allez aller dans le quartier des punks et infiltrer la banque. C'est notre dernière chance de nous en débarrasser, une fois pour toutes. Mais les punks me connaissent tous. Pas de panique, Schulze. Vous aurez un excellent déguisement. Nous avons soigné les moindres détails. Beau policier, mon chef est content de moi. Sans ces satanés punks, je serai heureux comme un roi. Pour réussir à les coincer, je ne ménage pas ma peine. Et si jusqu'ici j'ai échoué, c'est parce que j'ai pas de veine. Contravention, c'est de loin ce que je préfère. Traquer les punks dans les égouts, alors ça c'est l'enfer. Je suis pas le mauvais bougre, mais faut pas m'énerver. Et si jamais on me cherche, on est tout de suite fixé. Je sais qu'un de ces jours, je serai récompensé. Cette médaille dont je rêve, je ne l'aurais pas volée. Je suis un bon policier. Mon chef est content de moi. Sans ces satanés punks, je serai heureux comme un roi. Voilà une laverie, c'est pas trop tôt. Père Noël. C'est rien, ils se croient devant leur télé. Tiens, celle-là. En panne, ne pas donner de coup de pied dedans pour la démarrer. Schulze. Chef, pardonnez-moi. La police est bête. C'est pas assez méchant, ça. Compris, chef. Passe-moi ça, débile, c'est trop gentil. Salut, vous auriez pas un marque, s'il vous plaît? T'as qu'à bosser, gros lard. Les énergies, Schulze. Compris, chef. Eh, mémé, sois sympa, file-moi un marque, ou deux, ce serait mieux. C'est vous, Schulze? Non, non, non. Très bien, je vous demande d'applaudir le génial, le démentiel nouveau groupe Punk, les démons de l'enfer et leur diabolique musique. Accrochez-vous parce que c'est Mais c'est nous, ça! Hé, grouillez-vous! Le concert a commencé! Allez, tu te sécheras en route! Ouais! Vous êtes prêts à vous éclater? Ouais! Mais où est-ce qu'ils sont? Et maintenant, nous allons accueillir le grand... Mon boulet? Mais qu'est-ce qu'il fait là? Ah ben, en fait, je l'ai gagné. C'est ça, je l'ai gagné. Gagné? Où ça? Un concours de boulets. Tiens, tu le veux? Ah ouais, super. J'ai retrouvé mon boulet. Je sais. Poursuivez-les, mon sang. Dépêchez-vous, les mecs. Le public nous attend. Fermeture de porte. S'il vous plaît. Oh, voilà le monstre. Oh, montrez-moi vos billets, les jeunes. On est pressés, on va faire un concert. Vous voulez nous écouter jouer? Je préférerais me casser les deux jambes. On va passer à la radio. Et toi, avec le balai sur la tête, t'as ton billet? Oh, il a pas de billet, c'est sûr. Qu'est-ce qui se passe, mon gros? T'as perdu ta langue? Attention, ils se sauvent tous. Tu crois qu'on va te laisser filer en douce? Ne me touchez pas, d'accord? Je vous signale que vous avez affaire à un policier. C'est ce qu'ils disent tous. Je suis un policier en mission secrète. C'est pour ça que je suis déguisé en peintre. Et moi, je suis Madonna. Vous voulez voir ma carte de police? Et où est-ce que je l'ai mise? Fais-nous voir ça. Les voilà, ils arrivent. Voici les... En tout cas, le concours s'est râpé pour nous. C'est sûr. Y a pas quelqu'un qui aurait une guitare dans la salle? Quoi, un groupe à toi tout seul? Soyez patients, laissez-nous une petite chance. Je crois avoir trouvé le moyen de nous sortir de ce pétrin. Je sais que je l'ai sur moi quelque part, c'est pas ça le problème. Non, non, le problème c'est de savoir dans quelle poche je l'ai mise. Mais je vais la retrouver, hein. Oh, je l'ai, ça c'est sûr. Le gel que tu t'es collé sur les cheveux, t'es sûr qu'il t'est pas rentré dans le cerveau? Ouh, je sais. Et la voilà, ma carte de police. Une carte de punk. just won't let us be. We don't care, you fool. On peut pas bosser, on n'a plus d'outils. J'ai trouvé un mot par terre, on vous a emprunté votre matos, mais on vous le rapporte. Ça, c'est des types qui bossent au noir. Vous êtes riche et célèbre. Qu'est-ce que vous avez gagné? Des bons pour des instruments de musique. Ouais, y compris la sono. À la vôtre. À notre future carrière. Pourquoi vous continuez pas avec du matériel de chantier? C'était bien. Parce que pour séduire les filles, il vaut mieux se promener avec une guitare qu'avec une enclume. Regarde, Herman, un punk. Pas un punk, ça, Olga chérie. Tu n'y es pas du tout. Qu'est-ce que c'est alors? Ça, c'est une erreur de la nature qu'on montre dans les foires, une pauvre chose.